rigolo, rigolo Thomas. Il dit qu'il est le meilleur blogueur de la toile. Un gars qui passe tout son temps, partagez ça. Il passe tout son temps à discuter avec des femmes. Tout son temps, meilleur blogueur des Camerounais, tu es toujours dans les cuisses des femmes. Mon frère, hein? Le Wigman, c'est toi qui dis à mes sangs de porter la jupe. Pourtant, toi-même, tu dois porter la jupe. T'es bloqué comment? Bonjour. Hein? Donc, Wigmas, c'est toi qui viens faire le live, tu dis, mais ça doit porter la jupe. Pourtant, toi-même, tu dois porter la jupe. C'est toi qui dois porter la jupe. Parce que tout le temps, tu es toujours en train de clasher les femmes. Toujours en train de clasher les femmes. Toujours en train de manquer le respect aux femmes. Et en plus de cela, tu viens te mettre avec une rien-tête, une femme qui est comme toi. Tu viens, tu es toujours tu les faces des femmes. Tu as une gueule. Non, aujourd'hui, là, il faut qu'on te dise. Quelle pub? Il fait quelle pub, môme? Il vend quoi? La pub de Njansang. S'il fait la pub de Njansang, c'est peu. La personne qui vend ça, si c'est le gluten, la personne qui a le Njansang, elle va perdre le business. Parce que ça ne passe pas. Hein? Ça ne passe pas. C'est quelle pub? Quel jour tu as sorti la machette pour éradiquer les Bamlékés, les anglophones? Il faut savoir qu'à Paris, là où tu marches, là. Il y a les Bamlékés qui ne vont pas te louper. J'étais toujours dit ça. J'étais toujours dit qu'il y a les Bamlékés qui ne vont pas te louper. Il y a depuis que tu as sorti le corps de Pat, mon ami Pat de Londres, depuis que tu as sorti son corps, tous les Fémans t'attendent à l'œil. Mon WhatsApp ne passe plus comment? J'ai un gars même qui m'a attaqué, qui m'a appelé aujourd'hui. Comment mon WhatsApp ne passe plus? Il y a un gars qui m'a appelé, un scam qui m'a appelé aujourd'hui que non, mon WhatsApp doit passer. Il ne faut pas dire ça. Alors, qui m'a fait. Tu as insulté, depuis que tu as fait sortir le corps de Pat, tu as insulté. Tu as insulté les Fémans. Tu as eu la chance. Tu as eu la chance que dans le groupe-là, il y avait quelqu'un qui te y a moi. On devait parler de toi à l'imparfait. Mon gars, on devait parler de toi à l'imparfait. Tu viens, tu sors, tu passes ton temps à insulter les gens. Tu passes ton temps à insulter les femmes. Et tu passes tout le temps, tu insultes, tu prends les femmes. Tu n'as pas de mec que tu insultes. Pourquoi tu insultes toujours les femmes? Pourquoi tu insultes toujours les femmes, toujours les femmes, toujours les femmes? Aujourd'hui, je te vois en train d'insulter. Qui a l'audience? Parce que Flo ne veut même pas. Hein? Flo ne veut même pas te vous voir. Flo ne voulait même pas. Elle ne veut même pas. Elle ne veut même pas. Parce qu'elle a passé sur ton sang. Vous avez passé tout votre temps à insulter, 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 insulter. Tu viens, tu la prends, tu la mènes à la télévision de Lolo. Elle vous met en haut. Elle vous paye 200 dollars. Tu es qui? Tu es qui, honnête? Tu es qui? Elle te donne même 200 dollars. Nous, on est parti à la télévision ivoirienne, on nous a donné 200. On nous a donné 200 000. Tu es qui? Tu viens dire, suivant un peu ce que tu as dit là. Merde, il faut qu'on te mette un peu sur ta place, mon gars. Tu exagères, tu as exagéré. Ce qui m'énerve, c'est que tu es passé sur cette chaîne et tu te mets à insulter. Il faut qu'on te dise la vérité. Tu es un lâche. Meilleur blogueur camerounais. Tu sais ce qu'on appelle blogueur? Tu sais ce qu'on appelle blogueur? Rien donc, dis donc. Suivons-le. Créateur de contenu. Tu es un créateur de. Tu sais ce qu'on appelle créateur de contenu? On investit. Tu sais ce qu'on appelle. Donc, tu veux dire qu'on contenu. Créateur de contenu. Ceux qui veulent se faire voir, ta page n'a aucun contenu, ce qu'on appelle contenu. Tu dis préparer, c'est un contenu que tout le monde peut préparer. Appeler ça contenu. Tout le monde peut préparer. Regarde. Regarde ta face là. Regarde. Regarde. N'importe quoi. Qu'est-ce qu'il disait? On continue.
Tu n'as aucun contenu dans ta page. Je dis bien ça. Tu n'as aucun contenu dans ta page. On continue. Mais tu viens de manquer le respect. Au lieu de faire les choses, on s'est dit. Si je sors, c'est parce que tu as touché. Tu as touché ma personne, les gens. Comme tu supportes tous tu as touché ma personne. Et je sors pour te dire que tu as exagéré. Tu as exagéré. Elle t'a fait du bien. Elle a fait du bien. Elle a toi. Elle a ton machin que tu as dans la maison. Là. Où c'est dans la maison où vous êtes. Je sais même pas où vous êtes. Lolo, voilà l'équipement qui arrive petit à petit. Voilà l'équipement qui arrive. Voilà ta maison qu'on va utiliser. Pour faire quoi? Un stabilisateur. Pour faire quoi? Un ordinateur. Pour faire web TV, c'est seulement deux ordinateurs. Pour faire un web TV. Mon frère, tout ce que tu as fait n'a jamais avancé. Tout ce que tu as fait n'a jamais. Tu étais DJ. Tu as commencé même à vendre les habits. Que tu vas marcher, mon frère? C'est web que tu vas maintenant marcher. Tu n'es qu'un instinct. Rien ne marche. Tu n'es qu'un tintin. Tu n'es qu'un tintin. Je vais te dire certaines vérités. Tu as voulu passer pour montrer. Je t'ai vu quand tu passais. Je vais te dire certains trucs aujourd'hui. Ce que tu faisais avec la, où c'est la fille du Canada là. Man, c'est du schéma. Tu n'as rien fait avec cette fille. Tu n'as rien fait. Mais ce qui m'énerve, c'est ce que tu lui disais. Tu dénigrais la femme Bamileke. Tu dénigrais la femme Bamileke. Je vais te dire aujourd'hui que ce que Flo a fait, ce que Flo est venu chez toi, je vais te dire ça aujourd'hui. Flo, c'est mon ami. Ce que Flo a fait, c'était pour te montrer que tu n'es rien. Que tu ne peux pas manquer le respect au Bamileke. Flo t'a mis. Flo a fait une politique. Flo t'a amené chez elle. Flo t'a montré que voilà ma maison. Ne parle plus au Bamileke comme ça. Flo t'a montré que voilà ma maison. Et allons chez toi voir. Flo a fait, on a vu là où tu dors, là où tu vis, ce que tu fais, où tu te laves. Et tu n'as même pas. Tu es tellement ridicule, tu es tellement bête que je ne comprends pas, tu ne sais pas. Je n'ai jamais vu un homme comme ça. Je n'ai jamais vu un homme. Quand même, c'est celle que tu as dans la maison, là, ça ne peut pas te montrer ça. Flo t'a mis au pas. Ce que tu avais fait, ce que tu as fait, tu ne peux pas traiter les filles Bamileke comme ça. Tu viens, tu insultes les Bamileke. Et de sur quoi? Tu veux montrer que tu veux faire des Bamileke comme ça. Flo est venu te montrer que voilà une Bamileke. Elle t'amène chez elle. Elle te donne la chambre, tu dors. Elle part chez toi, au village là. Tu dors, tu veux dormir à terre avec elle. Really? Really? Et c'est toi qui parles de blogueur. Tu es le meilleur blogueur. Je prends sa voix, je t'insulte bien. En plus de ça, tu es un sardinard. Tu sais ça, non? C'est que, en plus de ça, tu es un sardinard. Tu es le plus tintin. Quand même, quand j'ai vu les bassins, dit que tu manques. Tu es le plus, je sais pas. Comment tu es? Moi, les bassins sont étonnés. J'ai vu VP de Londres pleurer comme ça, dire que ouais, ah, moi, c'est quel bassin encore ça. Même les hommes maintenant, tu es à Paris, tu pars, tu fais ça contenu, tu pars te faire rendre un genre gigolo. Même les gigolos ne font pas ça, man. Tu pars dans la maison de quelqu'un, d'une fille, tu arranges, après elle te chasse, tu te mets là dans le taxi à Paris, tu commences à dire, oh bon voici non, où sont les filles qui m'aiment là, où sont les Parisiens qui m'aiment là. Regarde-moi ce que tu dis. Moi, ça soit les filles, man, que ça soit les Ivoiriens, que ça. Personne ne t'aime. Parce que personne ne t'aime, man. Que ça soit les Ivoiriens, les Betty même, les Bassa même, le gouvernement. Les Bamileke, les anglophones. Donc quand tu marches là, regarde devant, regarde derrière. Tu te rappelles que j'avais un web TV. Tu avais un web. Une fois qu'on va trouver un bon local, ici en région parisienne, on va mettre ça en place. Local, tu vas faire comment? Tu ne vas qu'attendre. On t'a donné 11 000. Un Bamileke t'a donné 11 000 pendant la dernière campagne pour acheter les trucs. Tu te rappelles pas 11 000 euros là? Tu as dit que tu as acheté tout le matériel. Tu as acheté pour les patriotes. Maintenant, tu attends le local. Tu attends encore qu'on vienne te donner l'argent.
Tu n'es qu'un mendiant. Parce que tu passes ton temps, tu as fait ta publicité ici que pour que tu supportes un parti, il faut qu'on te paye. Pour que tu ailles clasher les gens, il faut qu'on te paye. Les gens te payent pour que tu ailles clasher, tu peux faire un sale boulot. Donc on te paye pour que tu ailles insulter les filles. Tu passes ton temps à insulter les filles. Pourquoi tu n'insultes pas les gens normaux comme nous? Pourquoi tu n'insultes pas? Tu peux prendre les petits, les ducamers, les gens qui les petits là. Insulte les gens normaux, les gens même, tu peux insulter qui? Tu es en train d'insulter les femmes plées de Lolo. Tu parles, tu t'assois pour narguer les gens. Tu t'assois pour narguer les gens. Mais et tu viens aujourd'hui insulter. Qu'elle a quoi? Elle a quoi? Pourtant, elle se battait, elle avait un truc qui vous a reçu très bien. Celle-là, celle que tu parles, qui te ressemble avec toi là, qui va être star là. Tu l'as tiré là-bas. Parce qu'elle passe son temps, vous passez votre temps à insulter les gens pour qu'on vous fabrique. Vous passez votre temps à insulter les gens pour qu'on vous fabrique. Moi, je ne veux pas la visibilité. Hein. Donc ne venez pas dire que moi je veux la visite. Parce que tous ces gens-là, tous les neuf là, me connaissent. Et si je veux la visibilité, et ils vont le faire. Et je n'ai pas besoin parce que ça ne me sert à rien. Mais vous êtes là, vous courez sur ça. Vous insultez les gens. Tu insultes pas son temps à insulter Vassero. Toi, tu passes son temps à insulter les gens. Tu insultes ici toujours pour l'argent. Pour l'argent. Tu prends le père, le médecin, tu insultes. Tu prends sa femme, tu insultes. Tu es en train d'insulter les femmes. Insulter les femmes. C'est ça, savoir si toi-même tu n'es pas une femme. Tu passes ton temps toujours dans les clashs des femmes. Tout le truc de façade, tu n'es que Ford. Au dernier, avant de me draguer, tu es en train de partir avec les gars. Tu veux prouver quoi? Tu veux prouver que tu aimes Lenga? Je rapporte. Non, je mets les moyens pour avoir une Web TV. Et ce sont les moyens que je suis en train de mettre. Quand on dit qu'on a une Web TV, Lolo, après, j'ai commencé le concept d'avril. Lolo. Pour te montrer déjà comment ça marche. Je ne suis pas là. Papa. Non. On a un Web TV, on a un programme, on travaille tous les jours. Le Congo, ça n'est pas la Web TV. Le Congo, ça n'est pas la Web TV. Tu fais quoi? Depuis là, c'est le Congo, ça qu'on te connaît. Dans ta page, ce n'est que ça. Ce n'est que insulter. Si ce n'est pas insulter, Nathalie, tu insultes une autre fille, tu insultes, tu passes ton temps à insulter les femmes. Ce n'est pas ça le blog. Ça, c'est la mendicité. Ça, c'est la monétisation. Ce n'est pas ça le blog. Man, ce n'est pas ça le blog. Web TV, ce n'est même pas ça. Tu vas faire quel Web TV? Avançons, parce que je n'ai pas le temps avec ce mec-ci. C'est pas qui t'a menti. Ou bien qui t'a fait croire que faire le Congo, ça, c'est faire la Web TV. Je suis désolé pour toi. Là, voilà que tu repartes au travail. Là, voilà que tu retravailles à zéro. Tu arrives à les réseaux sociaux, comme d'habitude. Elle est venue te trouver parce que tu te crois le blogueur. Le blogueur le plus connu. Le blogueur le plus sale. Le blogueur le plus insulté. Le blogueur au rien de positif. Tu n'as rien de positif, man. Tu n'as rien de positif. Tu n'as que passé salir les Camerounais. Tu vas à la télévision 4. Tu insultes les... Tu sors le Shiba des gars de Mbeng. Tu pars à Vision 4, tu sors. Tu vas au Cameroun. Ça ne revient rien. Tu es toujours avec les gars. Tu es toujours avec les femmes. Tu es escroc. Tu ne peux pas travailler. Tu viens là. Maintenant, tu es en train de trouver la petite là. J'ai dit un petit, ben même c'est une vieille gars. Tu es en train de trouver celle-là dans la maison. Tu dis que tu vas faire un web. Tu l'as déjà embrouillé avec peut-être un tobassi de Vassal quelque part. Tu as déjà embrouillé la petite là. La petite là, qu'au début, elle était même dans le combat, un genre, là, dans les sierres, un genre. Maintenant, elle est devenue sardina. Tu l'as pris dans le combat jusqu'à elle nous insulte. Elle nous lave bien. Je lui ai dit qu'elle ouvre les yeux. On ne s'attaque pas au combat. On ne s'attaque pas. Parce que toi encore, on sait que tu es sardina. Mais elle, c'est ce qu'elle ne va pas faire sa vie là-bas. Qu'elle ne s'attaque plus.
au combat. Vraiment de Dieu. Il est sérieux, regardez comment il parle. Il est sérieux. Regardez. Elle est passée dans ta télévision parce qu'elle était visible. Parce que si elle n'est pas visible, tu ne peux pas l'inviter. Non, elle n'était même était... pas visible. Elle n'était pas visible. Elle a voulu l'aider. Elle a voulu l'aider. Lolo a voulu l'aider. Ne sois pas ingrat, accepté. Lolo a voulu l'aider. Lolo avait a une audience. Lolo, quand elle est en live avec sa TV, elle a 6000 personnes, au moins 6000 personnes. Ne dis pas que c'est toi qui veux donner la visibilité à Lolo. Non. Et pour te dire, c'est Flo qui te donne la visibilité. C'est Flo qui te donne la visibilité. Et c'est ce que tu as planifié. C'est Flo qui te donne la visibilité. Si Flo ne faisait pas les histoires de rancœur, machin, tout là, tu devais être où? On t'avait déjà oublié avec le combat. On t'avait déjà laissé. C'est Flo qui te ramène. Et moi, je lui avais dit que laisse ce gars-là. Laisse ce gars-là. C'est Flo qui te ramène. C'est Flo qui te ramène. Tu viens dire que tu voulais donner la visibilité à Lolo. Tu voulais donner quelle visibilité à Lolo? Lolo fait la 6000. Toi, tu as combien de personnes même? Tu changes au moins 10%. Tu as 247 000. Lolo, quand elle a, je ne sais pas si elle est dans le peut-être 600, 800. Elle a au moins 6 000. Elle a ses 10%. Elle couvre. Flo, même chose. Flo, même chose. Va les blogs. Nathalie Baba, elle est peut-être même chose aussi. Même chose. Mais toi, tu viens dire que tu voulais donner l'audience à Lolo. Quelle audience? Tu voulais t'attaquer. Tu voulais t'attaquer pour... Parce que tu es en manque de contenu. Il te faut quelque chose. Il te faut attaquer l'Engala. Parce que l'Engala parle. Moi, après, ici, là, c'est fini. Je te dis là, et puis tu parles, je ne veux même pas répondre. Parce que je ne suis pas dans ça. Tu attaques l'Engala parce que tu sais que quand tu vas les attaquer, elles vont répondre, tu vas répondre, elles vont répondre. C'est ça ce que tu appelles contenu. Bullshit. 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 Tous les jours, tu insultes une femme sur la toile. Tous les jours que Dieu a créé. C'est-à-dire que tu as un contenu. Je voulais donner le dîme à Lolo. Et toi, tu étais là. Voilà pourquoi tu as raccoulé et tu nous as invités au neveu. Hein? Alors, tu dis... quand je te donne de la force, tu t'as dit merci à Mercat. Après, tu me dis, j'ai contribué 200 euros. J'ai contribué 200 euros dans ta cagnotte. Tu n'as pas honte de revenir, tu veux que tu as contribué 200 euros dans la cagnotte de elle n'a pas honte. Elle n'a pas honte. Pourquoi elle aura honte? Tu es venu, vous êtes venu. On te paye même encore. Ce n'est qu'en Côte d'Ivoire où je suis passé à la RTI. On m'a donné 200 000. Dernièrement là. On m'a donné 200 000. En passant. Je vous montre même ça avant qu'on revienne encore sur ce nabo là. Ils savaient qu'on ne devait pas montrer la vidéo là au Cameroun. Je leur ai bien dit que je ne veux pas passer à la CIA TV. Je leur ai bien dit que je ne veux pas passer à la CIA TV. Ils ont montré toute la vidéo au Cameroun. Ils ont coupé ma partie. Regardez. Qu'est-ce que vous avez à montrer au-delà des flashs? Je pense que l'un des points qui fait que cette pièce se ressemble autant, c'est la musique. Le Camerounais se sent à l'aise de faire avec les flashs. On a laissé ma coupe parler. Ils peuvent se dire la vérité et se fâcher, mais toujours rester ensemble. Et c'est ce que j'ai entendu. Même menteur, je voulais la déchirer quand elle a dit ça. Le Cameroun et la Côte d'Ivoire, c'est des pays jumeaux. Ne vous fiez toujours pas à ce qu'on dit sur les réseaux, parce que c'est du virtuel. Tu vois. En matière de mai, le Cameroun a au moins 5 ans d'avance que nous. La Grèce. Chaque ethnie a au moins 100 plats différents. Ah. Tu vois, et j'étais assis là. Philippe Simon a parlé. Marco soit appelé. Regarde, merci à TV. Marco soit parlé. 200 000 on m'a donné. Le Lord vient vous donner 200. Vous pouvez remplir votre cagnotte, ça vous devez. Mais là, vous passez. Pourquoi je ne. Ils n'ont pas pris ce que j'ai parlé. De tout ce qu'ils ont fait. Après la visibilité qu'elle t'a donnée, t'as pas honte. Arrête de dire qu'elle a donné la visibilité. L'Angala avec quelle visibilité? L'Angala avec quelle visibilité, man? Elle avait quelle visibilité? Toi-même, tu avais quelle visibilité? Visibilité dans la saleté? Visibilité négative? Quelle visibilité toi-même tu avais? Toi, tu avais quelle visibilité? Donc, tu veux dire que tu passais dans où?
Quand on parle de visibilité, c'est les gens que nous qui passons dans les télévisions. Pas tu as quelle visibilité? Tu as quelle visibilité? Qui te connaît? Qui te connaît? Quand on parle de visibilité, c'est les gens comme nous au Cameroun, on passe à la télé. En Afrique du Sud, on passe à la télé. Aux États-Unis, on passe à la télé. En France, même, on passe à la télé. Tu as toi quelle visibilité? Tu es le meilleur blogueur. Tu es le meilleur, c'est ce qu'on appelle un blogueur. Même pas un influenceur, tu n'es pas. Ni un blogueur, ni un influenceur. Web série, même tu es loin. Parce que je ne vois pas encore ce que tu as fait. Peut-être ce que tu vas commencer à faire, que vous allez faire web série, toi et, ton ami là. Ça, c'est l'ingratitude. Ça, c'est l'ingratitude. Promax. Tu passes à une télé, tu viens, tu chies là où ils t'ont lancé. Elle va venir dire que elle est partie, vous êtes partie supporter Lolo. Really? Dans cette toile-ci, il y avait qui compressor Lolo et Flore. Les filles qui faisaient, elles sont, Flore avait déjà classé. C'est Lolo qui l'a encore pris. Même Lolo, elle insultait Lolo même avant. C'est Lolo qui l'a encore, Lolo l'a même encore pris. Lolo l'a encore, elle a même eu pitié d'elle pour la prendre encore. Sinon, Flore avait déjà classé, c'était dossier classé. Que je dis ça aujourd'hui, c'est les choses qu'on ne vous dit pas, mais je dis parce qu'elles-mêmes ne peuvent rien me faire. Elles vont seulement comprendre que, regarde, tu es parti de raconter nos histoires comment. Oui. Flo avait déjà classé, et voilà, parce qu'elle insultait. Elle insultait Flo depuis, même pour rien. Comme elle insultait Vassero depuis, même pour rien. Parce que pour elle, insulter quelqu'un, c'était qu'il faut insulter pour que. Tu oublies qu'il y a les gens qui sont comme le mango. Si tu les insultes, ne te répondent pas. Zéro fabrication. Zéro. Tu les insultes, ne te répondent pas. Parce qu'ils savent ce que tu veux. Donc, Flo et Lolo a pris son corps, venir te prendre, te supporter. Prendre ton machin, la blague, pour la vous mettre son morceau toute l'émission. Franchement, vous êtes, tu es, avec l'ingratitude que tu as. Tu as l'argent des gens. Tu as les Bamleke qui te gardent dedans. Les bêtises te gardent dedans. Le gouvernement te garde dedans. Les Bassas te gardent dedans. Les anglophones te gardent dedans. Les Bamleke encore. Les Féman te gardent dedans. Vision 4 te garde dedans. Tu vas aller où? En temps normal, buzz négatif. Tu sors la machette pour tuer tous tes Bamleke, mais tu passes son temps dans les jupons des filles Bamleke. Who does that? Moi, je t'ai pas encore vu que tu avais une fille quoi, ou une fille Bassan. C'est vraiment. C'est vraiment Yangui sur Roche. Yangui sur Roche. Tu l'as insulté. Les Bamleke, et tu regardes même celle-là, la façon que tu lui parles, même parfois, une fille que je croyais qu'elle avait une jugeote, la façon que tu lui parles, une vraie fille bafant. J'ai un côté bafant, je connais les bafants, j'ai un côté bafant, mon nom c'est Eumène aussi, je connais des filles bafants, c'est les filles qui ont la classe, c'est les filles qui ont la classe, laisse l'amour, quel amour, c'est les filles qui ont la classe, ne parle pas alors les filles barantines, une fille barantine ne peut même pas. Les filles bafang ne peuvent plus, une vraie fille bafang ne te gère pas, man. Zéro. Une fille camerounaise, même en général, je ne sais pas ce que celle a fait. Parce que tu nous montres, tu nous sors des choses sur Facebook, on ne comprend pas. Tu nous sors des choses qui n'ont même pas de sens. Donc ne blague pas. Ne blague pas. Moi, c'est qui ça, non, mon frère? Que tu es venu donner la visibilité. Demain, tu vas dire la même chose que tu as donné la visibilité à Lolo, à Flore. J'ai cru comprendre que tu as dit que Flore n'est plus la number uno de Facebook. Qui est number uno, man? Qui est le neuf de Facebook? Toi? Toi, tu es le neuf. Vraiment, le meilleur blogueur de Facebook. Le meilleur blogueur, c'est pas un blogueur. Le meilleur blogueur qui passe son temps à insulter que les gars. Tu passes à insulter un gars. Mais j'ai dit que. Parce que quand tu fais ça, les filles bassins même. Parce que les filles bassins, en même temps, elles te tapent.
Elle te tape avec, avec ce truc que tu fais là. Elle te tape bien. La Bamlekin n'est pas un truc de classe. Tu fais tes histoires là, que ça, tes histoires que tu fais là. Si la fille a été bassa, elle te gifle parfois tes retombées que tu fais souvent. Elle te donne ça comme ça, pof, mof. Pas les histoires que tu fais, ça là, là, là. Tu as dû porter le sac, fais les trucs. C'est quoi ça? C'est ça le web série. Quand tu es en live, va regarder tes lives. Quand tu es en live, il y a 1000, s'il y a 1000 personnes, c'est 200 personnes. Les commentaires, on t'insulte, man. Une fois, j'ai lu tes commentaires. Je te demande de dire le nom. Montre jamais le matériel que j'utilise pour faire la haute télé. C'est mon matériel. Prouve que c'est ton matériel. Prouve que c'est ton matériel. Mais le gars, c'est bête ou quoi? Tu dis que le lot, ce n'est pas ses matériels. Prouve que ça, c'est pour toi aussi. Prouve que ça, c'est ton matériel. Tu as pris l'argent où? Tu travailles où? Tu as des matériels, les gens, les chambres. Ma chambre, là, prend toute ton histoire que tu as là. Tu vas faire une web-série dans une chambre, là. Seulement la chambre, si prend toutes tes histoires que tu as là. Alors, c'est le premier test de web-série. Tout le monde a vu. C'est pas contre tout le monde, on s'envoie tout le monde. Non, quand tu arrives dans les réseaux sociaux, s'il te plaît, de race. Je ne sais pas si l'école t'a dépassé. Mais même si l'école te dépasse. Mais voilà, tu es en train de parler de l'école, comme son frère Kamwa. Tu es en train de parler de l'école. Pourtant, eux-mêmes ne sont même aucune école. Kamwa m'a dit que je parle à l'école. Kamwa, je vais graduer. Le 17 mars, je vais porter, tu vas encore voir. L'école n'est pas parlé le français. L'école n'est pas l'école, l'éloquence. L'école, c'est les capacités que tu as acquises. C'est le training que tu as. C'est l'école. Ce n'est pas l'éloquence. C'est parce qu'on ne parle pas français que tu dis qu'il faut aller à l'école. Mboudman. Voilà ton frère, un autre Mboudman pauvre. Tout ce que tu as, Kamwa, c'est être gars. Vous pouvez le clash, c'est tout le clash. Voilà quelqu'un. Tu vas montrer à Lolo. C'est le Lolo qui a créé le clash. Qu'est-ce que tu racontes là? Tu veux commencer le clash. C'est le Lolo qui a commencé le clash avec les flores, les joueurs blancs à l'époque là. Tu as commencé le clash, tu parles à une fille, une coyote du clash, une vieille chouette du clash. Tu veux lui montrer que cette ne connaît pas ce qu'elle fait. Oh, vraiment de Dieu. Tu sais aussi là sur TikTok, parce que tu veux la visibilité sur TikTok. Voilà pourquoi tu parles de TikTok. Parce que aussi la contrôle TikTok. Aussi la contrôle TikTok, parce que TikTok c'est la saleté. Qu'est-ce qu'il y a de bon? Moi-même, j'ai 30 000. Allez dans mon TikTok, j'ai 30 000 followers. Mais ça ne sert à rien. Parce que quand je vais là-bas, c'est rien. Je reste sur les femmes, là, viennent se regarder mes yeux et tout ça. Je n'ai rien à montrer. Mais je peux commencer à faire des trucs à TikTok. Mais ça ne m'intéresse pas. Parce que quand tu vas à TikTok, c'est n'importe quoi. J'ai 30 000. J'ai plus de followers à TikTok que toi. Va regarder Bertini 7. J'ai 30 000 followers, mais ça ne sert à rien. Je poste ma collection. Je fais de ça à rien. Parce que nous là, on a la même. Ça ne nous sert à rien. Uchiga contrôle TikTok. Va voir comment c'est qu'elle fait à TikTok. Tu vas voir ce que. Est-ce que vous êtes tout ça? Allez voir ce que c'est la saleté. On ne passe son temps. Hier, j'ai vu un truc où elle s'insultait avec un Depso. Elle s'insultait. Toi, tu étais en haut. Jacques qui fait les lives, qui fait tout ça. Là, juste, je ne peux pas rester sur un là, une heure ou bien trois heures, quatre heures. C'est fatigant. J'ai autre chose à faire. Surtout que ça ne sert à rien. Donc, tu veux dire qu'elle contrôle TikTok. Elle contrôle quoi sur TikTok? Elle contrôle quoi sur TikTok? Elle va tout faire pour elle. Elle a fait aller insulter les Ivoiriens. On l'a mis au pain. On l'a mis au pain. Toi-même, on t'a mis au pain. Les faux gens comme ça, vous ne pouvez pas sortir, voyager même. Même sortir de ton quartier où tu es, tu n'es jamais. Aller même à Paris, c'est difficile pour toi. Aller à Paris, c'est difficile. Et tu viens parler que tu es le meilleur blogueur, mon frère. Tu dépasses de qui? Aller à Paris, tu ne peux pas. Tu es en Bruce, mais aller à Paris, tu ne peux pas. Lolo t'a donné le transport. Lolo vous a donné le transport parce que tu as appelé. Tu as dit que vous n'avez pas le transport. Elle ne tourne même pas. Parce que ce n'est pas ce qu'elle avait dit. Les gars ont dit qu'ils n'ont pas de transport. Donc, elle a donné le transport. Peut-être 100$, c'était pour le transport. Et 100$, ça allait dans le litchi. Tu viens raconter quoi? Qu'elle nous a payé. Tu as pleuré, tu n'avais pas le transport.
Et c'est ça que, et c'est ce que toi, tu as dit dans ton live, une fois, qu'elle vous a donné le transport. Contrôle TikTok. Contrôle TikTok. Merde. J'ai une vidéo que j'ai gardée jalousement. On vous l'avait à TikTok. Il n'y a pas la haine en TikTok. TikTok, c'est le marché central. TikTok, c'est le village. Tu parles de quoi, là? Elle contrôle TikTok. Elle passe, vous passez votre temps, on vous insulte. Parce que vous avez votre vos bouches là n'ont pas de frein. Vous êtes ingrat. Vous montez sur les TikTok pour insulter les gens. Et vous couvrez les gens, vous trouvez vos pointures. On vous lave bien. On vous insulte comment vous êtes des villageois. On vous insulte comment vous ne valez rien. On vous insulte comment vous êtes des mendiants parce que vous montrez tout ça sur la toile. Vous vivez dans une chambre. Hein, mon frère? Vous êtes obligé de faire les lives. Vous ne faites pas. Allez même dans un couloir, vous faites. Ne montrez pas vos trucs. Et vous allez insulter les gens qui ont les grandes maisons. Pourtant, vous êtes dans une chambre. Tout, et les toilettes, tout dans une chambre, dans un studio. Merde. Qu'est-ce que c'est même les qui, non? Oh, elle contrôle TikTok. C'est pas les filles qui aiment TikTok. Même Flo, même n'est pas une fille, n'est pas, c'est pas des gens. Chacun a son truc. Même toi-même, tu n'as pas de visibilité. Quand tu as TikTok, peut-être tu as 20 vues, 20 personnes. Qu'est-ce que tu racontes là? C'est pas tout le monde. Vous n'avez, TikTok, c'est un autre niveau. Le marché. Les enfants vont venir te manquer le respect. Mieux vaut les faux profils même. Qu'on les voit pas, ça est ainsi. Énormément, je vous le dis. C'est là qu'on tourne autour du pot. Ouakatelon, on envoie énormément de cadeaux sur TikTok. Parce que tu as besoin de ces cadeaux. La bêtise que vous avez sur Facebook, venez sur TikTok, vous tombez par terre. Parce que les gens ne veulent pas de ça là-bas. On veut les créateurs de contenu. Les gars veulent du jeu. Les gars, il y a beaucoup de choses sur TikTok. On rigole là-bas sur TikTok. Peut-être que vous ne croyez pas, comment on le dit. Ouakatelon, c'est une de mes donatrices sur TikTok. Melo, ton mindset là te servir à quelque chose. J'ai un conseil que je te donne. Mon frère, ça, tu peux conseiller les lots. Arrête de dire que tu es une TV. Dis que tu as un concept. Dis que tu as un concept. Ce que tu fais une fois par semaine, là, une fois par mois, deux fois par mois. Regarde alors l'ingratitude. Donc eux, en fait, ils veulent montrer à Lolo qu'ils ont le Web TV. Lolo n'a pas un Web TV, mais ils ont un Web TV. Web TV, c'est quoi? Web TV, c'est exactement ce que Lolo a. Tu ne connais pas. Web TV, ça veut dire que elle a ses appareils, elle a tout son, elle a jamais monté ce qu'elle a. Mais je suis assis, si elle a fait ça Web TV, c'est Web TV. Donc tu veux dire que ce que tu as mis là, tes petits appareils là, c'est le parce que tu as un, deux ordinateurs que tu as fait ça Web TV. Web TV, c'est quoi? Web TV. Aïe, amen, amen, c'est un bail. Il va y faire une promotion de web. Parce que je te dis, le monde a changé. Le monde a changé. Il n'a plus ça. Les pages Congo ça ne sont plus cotées. Les pages Congo ça, maintenant, tout ce qui ne va pas. On paye les vidéos dans les réseaux sociaux en fonction donc, d'une certaine norme qui va de moins 2 à plus 2. Tout ce qui est Congo ça, c'est dans la zone de moins 2. Mais bizarrement, c'est ta force. C'est ta force. Tu es que tu as des dents. Tu es là pur et dur dans le Congo, ça. Tu es là, tu insultes les femmes parce que les femmes là vont t'insulter. Tu insultes, toi si tu insultes une fille comme Lolo, elle va pas. Il y a des femmes que tu insultes, elles ne peuvent pas te laisser. Mais il y a des femmes que tu insultes, elles te laissent même, elles savent que tu ne vas pas te gérer. Mais les femmes que tu insultes que des femmes parce que tu sais que elles vont répliquer et tu vas parler et ça va te donner les vues. Tu vas te prendre pour le King Kong de Facebook. Qui te connaît au Cameroun? Qui te connaît au Cameroun? Même qui te connaît que tu veux sur le blog? Qui te connaît? Soit tape Amin Kamen. C'est même pas d'avoir ton nom. Mais tape mon nom Bertini Meni. Tu vas voir ce qui va sortir d'Aboumaï. Ne veux pas dire qu'il a détruit. Il ne veut pas les trucs là ici là. Pardon. Il n'a même pas. Ne venez pas raconter les histoires là ici. Il n'a même pas. Flo est tranquille là où elle est.
rien ne la gêne. Flo est tranquille là où elle est. Donc ne venez pas dire qu'il a des trucs en quoi faisant. Flo l'a exposé. Flo l'a exposé. Flo lui a montré que on ne traite pas les Bamilékés comme ça. Flo l'a amené chez elle. Flo lui a donné la chambre d'or, man. Flo a préparé la manger. Flo dit, ok, amène-moi l'eau au village. Flo est arrivé là-bas, lancé le live. Très smart. Elle ne lui a jamais dit. Man, montre là où tu te laves, montre là où tu dors au Cameroun. Sur les planches, tu te laves avec l'eau comme ça. Et tu viens parler à Lolo. Vraiment de Dieu. Tu viens parler et tu viens insulter. Toi qui viens insulter même les Bamileke. Tu viens parler à ce côté-là. On signe pas les pages positives. Parce que l'algorithme de Facebook analyse tout ce qu'on dit. Lolo. En toute sincérité, en toute franchise, arrête le mensonge. Tu n'as jamais été au Chiga. Vous êtes dans une relation de bénéfice réciproque. Je viens dans ta télévision, en contrepartie, je viens donner la visite. La Stamania. Tout le monde sait ça. Et tout le monde l'insultait comme ça. Et quand tu es en quête de la Stamania, n'insulte pas les gens. Elle a passé toute sa vie à insulter Valsero. Valsero ne l'a jamais géré. Dick a dit que Valsero a voulu baiser avec n'importe quoi. Vous croyez que c'est tout le monde qui veut baiser avec vous? Mon frère, je t'ai vu. Je t'ai vu. Toi là, je t'ai vu au chalet. Tu étais assise là seule. Le Camois, les Steve, Stevie que tu montes, que tu dis que Stevie était ton fils. Même une fille, il a même vu les femmes. Ton gars dit que celle-là elle veut me draguer. Toi aussi, tu dis que j'ai baisé avec elle. C'est quel villageois comme ça, non? Qui fait ça en public? Qui parle de ça? Et quand tu sais un homme que quand on va regarder, on ne va pas voir la valeur sur lui. C'est quoi ça? T'es venu au chalet. T'es venu au chalet, tu as voulu me parler. Je sais qu'on a peut-être été salués comme ça. Mais on était là, les Steve. Stevie même était là. Kamwa était là. Mevako et Betty le Camille étaient là. Si c'est le soir là que tu viens raconter que finalement tu as pris Stevie, tu es parti avec. Qui fait? Pourquoi vous? Qui fait ça? Qui raconte des trucs comme ça? Quand tu es même sur la toile, tu dis que oh, un combattant Madja a baisé avec moi. Qui dit? Et l'autre vient dire, oh, les toits qui viennent me dire à moi. Quelle bassesse, vous deux. C'est quelle bassesse, ça? Elle m'a dit que l'engrais la pâche. Donc, je ne sais pas comment elle t'a dit que, ok, voilà. Il faut passer, il faut attaquer les grands blogueurs, les blogueuses. Donc il fallait que tu ailles attaquer, tu prennes Lolo. Lolo t'a pris. Tu viens dire ici que tu as voulu donner la visibilité à Lolo. Quelle visibilité? Quelle visibilité? Quelle visibilité? Voilà, et en plus, c'est parce que, et c'est en plus parce que, elle t'a aidé parce que tu étais la copine de sa soeur, de Renvieille, comme elle m'a dit, ouais, parce que tu étais la copine de Renvieille. C'est sûr que c'est comme ça. Ne viens pas dire que c'est la visibilité. Il ne faut pas être ingrat. Ce qui m'énerve, c'est que tu es ingrat. Tu viens de raconter qu'elle n'a rien, les machines ne sont pas pour elle, la télévision n'existe pas parce que ce n'était pas ses trucs. Maintenant, toi, tu as tes trucs. Voilà le Camerounais, jaloux. Et tu penses que c'est pour toi qui va marcher? Tu penses que pour toi, là, va marcher si les Lolo, les Flore, ou alors les compresseurs, les grandes têtes, là, ne viennent pas te lancer. Ça va marcher. On est venu t'aider. Quand Oshiga vient dans ma chaîne de télévision, je la rémunère et je négocie parce que Oshiga, quand elle vient dans ma télévision, elle est à l'intérieur sur tout le monde. Tout le monde. Les gens, déjà, vous détestez. Les gens ne vous aimaient pas sur ce podium. Moi particulièrement, je n'étais même pas d'accord. Ça ne plaisait pas. Je savais que ça va arriver comme ça. Parce qu'avec toi là, rien n'est sérieux. Avec toi là, tu vas retourner. Avec toi là, vous allez prendre le game pour insulter Lolo un jour. Moi, je savais ça. C'est pour ça que d'autres ne veulent pas être avec toi. Ce jour-là, il y avait tellement les Ivoiriens qui vous détestaient. Regarde comment c'est monté aujourd'hui. C'est monté parce que j'ai mis Amen, Amen. Et regarde tous les commentaires. Tout le monde t'insulte.
Tout le monde t'insulte, mon gars. Tout le monde t'insulte. Et ce n'est pas parce que tu le meurs, blogueur, que c'est monté comme ça. Non. C'est parce que tout le monde veut voir. Tout le monde veut te dire ce qu'il pense. Parce que tu as insulté les Ivoiriens, tu as insulté les Bamileke, tu as insulté les Bétis et même le gouvernement. Cela t'attend en route. C'est ça. Tu connais? Non. Donc à un moment donné, si tu vois que tu ne peux plus faire ton concept, abandonne. Ça dit que gars et gars, ils sont toujours là. C'est deux teams qui ont l'amour de leur star. Je connais ce qui est que je connais. Ils vont venir te voir que tu vas prendre les dos ou man. Tu vas prendre les dos ou. Tu vas dire à celle-là de te donner les dos. Hmm? Tu vas demander à celle-là de te donner les dos. J'ai besoin de qu'on montre moi comment je veux payer mon matériel à moi. C'est simple. Ne bloquez personne aujourd'hui, s'il vous plaît. Ne bloquez personne aujourd'hui. Laissez-les là. Ne bloquez personne aujourd'hui. Tu as une équipe. Les Nolomayas, ils te servent à quoi? Les Nolomayas te servent à quoi? C'est ce que je viens de te dire. C'est ce que je, justement ce que je viens de te dire. Les Nolomayas, ça ne sert à rien. Tu avais deux femmes avec toi. Je ne sais pas ce que tu fais. Les réseaux sociaux, c'est le marqueur qui va prendre des lances. Ça va. Il va avancer. Les gens ne vont pas venir nous dire. Je n'ai pas le pour ça. On m'a dit que Lolo et Zébé n'ont pas le même père. Regardez alors. Elle est du sud. Regardez. 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 Lolo et Zébé n'ont pas le même père. Qui est ton frère? Qui connaît ta famille? Qui connaît ta famille sur Facebook? Toi-même, tu sors d'où? Qui est ton frère sur Facebook? On n'a jamais entendu que voilà, voilà, on entend tu dis que voilà la mère de mes enfants. Que tu as les enfants. On n'a jamais vu les enfants que tu as. Même le juge de la fête, si les enfants là sont à Paris là, même comme même tu vas utiliser les enfants là même pour faire un blog avec. Comme je dis souvent qu'il n'y a pas l'école au Cameroun parce que les blogueurs universitaires, les blogueurs là devaient aller même en classe, ils vont faire les blogs. Même poster que c'est en classe avec le professeur. Ça prouve que même les blogueurs là ne partent pas à l'école. Donc toi-même, tu n'as pas d'enfants. Ne viens pas insulter. Voilà le problème. Où est le problème si Rêve et Lolo ne sont pas les mêmes? Où est le problème? C'est les soeurs qui s'entendent. Regarde à quel niveau vous êtes bas. Quel est ton frère sur Facebook? Tu n'as aucun frère sur Facebook. Tu n'as personne. Tu n'as dit que pas mes soeurs. Là, d'ailleurs, tu dis que mes soeurs. Que Compression, c'est ta soeur. Compression, c'est ta soeur. Mes soeurs, c'est ton frère. Mes soeurs. Jean-Louis, c'est ton frère. Quand tu viens de dire que oh, ça c'est mon frère, ça c'est mon frère, avant tu le supportais, tu disais ça c'est mon frère, c'était ton frère. Au moins eux, ils ont même s'ils ont, ils sont consanguins, il y a quand même un lien. Mais sans que tu embrasses, c'est ton frère, ou bien compresseur que tu prends comme ta soeur, c'est ta soeur de même main. Mais faux Congo, ça c'est là que tu vas, c'est ça que tu appelles contenu. Pour venir dire comment Rêve Ndiaye et Lolo n'ont pas le même père. On m'a dit, toujours les on m'a dit. On t'avait dit que les hommes-là sont sortis, tu es venu, tu as dansé la honte sur toi ce jour-là. Allez maintenant vous enseigner que, est-ce que ce que ta mère dit, est vrai, il n'a pas dit que ça, il est un combo ça que j'ai reçu. Pourquoi la maman? Et puis tu appelles ça contenu. C'est chez nous aux États-Unis, les hommes comme ça, on dit que c'est les hommes qui ont une insécurité sexuelle. Insécurité, ça veut dire que c'est les gars d'hommes que il faut qu'ils sont toujours avec des femmes, qu'ils insultent toujours les femmes, qu'ils montrent que les femmes là, il y a pour montrer qu'ils connaissent aussi les femmes. Un truc comme ça. C'est les gars d'hommes là qui sont toujours en train de vouloir prouver aux yeux du monde qu'il y a mort les gars, ou les gars là, il y a mort. Et pourtant, dans eux là, c'est n'est pas ça. Qu'est-ce qui est devenu ouvert? Tu appelles ça contenu? Tu appelles ça contenu? Que tu viens parler de la vie des gens, c'est le contenu ça? Si c'est pas le Congo ça? Tu ne connais pas le Congo ça là? Est-ce que tu veux connais le Congo ça? Tout le monde a connu le Congo ça là? Voilà. Donc vous allez me dire que quoi? Que je mens? Je mens, ça me suffit. Je ne crains pas mentalement, je ne suis pas déjà. Je dis cette vérité.
On est venu, l'enfant s'est arrivé dans mon téléphone. Il y a 6-7 mois. Que Lolo n'a pas le même père que Rêve. Que le père de Lolo, c'est le père de Lolo. Il a le même père que l'ancien international de football là. Voilà. Et que c'est lui qui a. C'est quelque chose que. Elle peut tous les jours, elle appelle quelqu'un. Elle met sur ses chaises là. Comme le coach Amochi. Coach Amochi, elle se met là, elle appelle les gens. Les gens parlent. C'est pas de choses là-bas. Mais toi, tu passes ton temps à insulter. Pour toi, c'est le contenu là-bas. Tu passes ton temps à insulter les femmes. Tu n'as aucun contenu. Qu'un contenu. Tu ne sais pas ce qu'on appelle contenu. Tu ne connais pas ce qu'on appelle contenu. Tu ne connais pas. Tu dois voir. Tu dois voir ce qu'on appelle de la création. Comment est-ce qu'on crée un concept? Comment est-ce qu'on crée quelque chose? Comment? Mais, fais le coup du soir. Lolo, refais le coup du soir. Moi, par respect, je ne vais jamais déformer ton nom. Tu as venu hier dans les rues, tu as venu hier sur TikTok, parce que tu cherches Oshida. Toi aussi, tu veux parler. Oshida, t'esquive. Tu es trop vieux. Tu es trop vieux pour être clashé par Oshida. Non. Tu es comme sa mère. Tu as l'âge même de sa mère. Elle ne peut pas. Par respect, elle ne peut pas te clasher. Pour faire quoi? Pour faire quoi? C'est parce que tu es jalouse, qu'Oshida marche avec Compressor, qu'Oshida marche avec Arène Nebio, qu'Oshida marche avec Patricia. C'est pas de notre faute. Si vous gâtez vos relations là-bas, c'est votre problème. Non, c'est un grand. Vous obligez à garder vos relations. C'est un grand. Moi-même qui suis là. Les sapates. C'est ton niveau là-bas. C'est ton niveau là-bas. De voir qu'avec les filles, on a un QI zéro. Oh. Regarde, la même bande des îles éclées. Lolo, ma pute. David a les muscles au moulet là. Oh, moulet, là ça comment quelqu'un qui regarde ça, tout sa chambre, tout sa maison. Tout sa maison, hein. Toute sa maison, c'est dans une chambre. C'est tout ça que je vois là-bas, le lit à côté. Mais tu es là en train d'insulter une fille qui a au moins peut-être. Je crois que je sais d'aller chez Lolo quand il y a une chambre salon. Mais toi, tu es dans une chambre. Une chambre, tu as tout. Et tu vas faire la web série sur ça et tu es en train d'insulter. Tu passes ton temps à insulter, à parler avec les femmes. Oh, voilà le camp de Lolo. Le camp de Lolo, c'est telle fille. Ton camp, c'est tu es le seul homme dans ton camp. Tu es le seul homme dans ton camp. Quelque chose que je ne veux pas entendre, je vais seulement avancer pour ne pas bien le laver. C'est une lave qui était longue avant. Le téléphone a chauffé. Et après, ça s'est éteint. Donc, après, on a récupéré. On quand a tu, quand tu regardes les commentaires, les commentaires, c'est quoi? Les commentaires. Qui crée tous les problèmes aujourd'hui? Les commentaires, c'est grave. Allez. Le bloc Camerounais n'est pas le seul homme. Le culé d'un même mot, tu as fait ceci. Le bloc Camerounais, c'est aussi l'entrepreneur. Oui, j'ai dit. Mon droit de venir payer sa pierre. Moi, je sais pas ce qui s'est passé après. Mon problème, c'est que il a fallu que je lui dise que ce qu'il fait là, pour dire qu'il est le blogueur camerounais, il est dans la saleté. Il ne connaît. L'homme camerounais ne se reconnaît pas vers lui. Parce que même être gigolo là, il y a les gigolos même avec classe. Tu es le sale gigolo, même le gigolo même est étonné. C'est quel genre de gigolo ça? C'est quel genre? Même le Bassa même est étonné. C'est quel genre de man Bassa? C'est quel genre de gars Bassa ça? Le gars Bassa. Moi, je suis un gars du sud de Bonandoumbe. À l'époque du sud de Bonandoumbe. Là-bas, à Bonaprizo. C'est le gars Bassa. Je connais les Vanjong, je connais les Njek. C'est quel genre de Bassa ça, mon frère? C'est quel genre de Bassa ça? C'est quel genre de Camerounais même ça, Inchot? Parce qu'un homme Camerounais, c'est 1m80, costaud. Ne fais pas ce qu'il fait là. Ne fais pas ce qu'il fait là. Ne fais pas ce qu'il fait. C'est toi qui disais, mais dans la saleté. Et c'est toi qui compte la tête de ces femmes-là. C'est toi qui les compte la tête. C'est toi qui fais pour qu'elles se contiennent toujours au centre de tout ça. Respecte-toi.
de sortir aujourd'hui pour te dire tes choses, tes vérités, pour te dire que tu ne vaux rien. Un Camerounais qui te parle, tu ne vaux rien. Si tu veux que tu me réponds, je ne vais même pas te répondre encore. Je t'ai dit tout ce que je pensais. J'étais énervé. Ce qui m'a fait sortir, c'est surtout le fait que je sais que tu es passé à la télévision de Lolo. Il y avait 6000 personnes. Tu es passé là-bas. Et ton tube a été là. On a mis son morceau toute la soirée. Toute la soirée. Elle a valorisé la musique. Elle a valorisé la musique. C'est tout ce que moi, c'est ce qui m'énerve, c'est d'où m'a sorti aujourd'hui. Parce que j'étais même déjà ici, là, pour toi. En plus, Lolo, c'est mon ami. Donc, même si ça arrive, pour que quand manque le respect à Flo, je peux sortir quand même comme ça. C'est mes gens. C'est mes gens. C'est mes gens. La dernière fois, elle a manqué le respect à Flo. Je lui ai dit les vérités aussi. C'est mes gens. C'est les gens que quand avec qui on s'appelle, on cause. Donc ne viens pas manquer le respect. Comme la façon dont tu supportes, il faut savoir qu'il y a aussi, elle a aussi ses amis, elle a ses frères aussi. Oui, c'est comme ça. Tu vas insulter les vrais hommes. Et on va te mettre sur ta part. Tu ne peux même pas insulter un vrai homme. Parce que tu n'as rien que tu vas prouver. Tu n'as rien que tu vas prouver. Tu n'as rien que tu vas parler. Parce que c'est toi le tribaliste, c'est toi le voleur, c'est toi tout l'escroc, c'est toi tout le mendiant, c'est toi tout. Et l'homme qui va venir te parler ne sera pas à ce niveau, pas au niveau de clash. Donc quand tu viens, si tu réponds encore à Lolo, parce que c'est que tu ne peux pas me répondre, il n'y a même pas match. Il n'y a même pas match, même ton truc là, il n'y a même pas match. Ne viens même pas. Parce que déjà, il n'y a même pas le niveau. Il faut déjà voyager, sortir de ton village là, pour aller à Paris. Avant de sortir de Paris, pour aller à Internet. Avant de sortir, même venir même à Los Angeles. Ou même aller au Cameroun. Parce que pour te sortir, c'est seulement au Cameroun. Il n'y a même pas mal. Donc ne viens même pas. Ne viens pas fort. Quand les gens le disent, c'est parce qu'ils n'ont rien à dire. Parce qu'il n'y a pas de niveau. Mais tu te crois permis, tu es le meilleur blogueur. Qui te connaît? Si on tape Amel Kamel, là, on voit Facebook. On voit seulement la vidéo quand les hommes-là sont sortis. Tu as mis là. La honte. Le jour-là, tu pouvais avoir honte. Tu pouvais fendre le mur et s'entrer. Le jour-là. Tu as mangé l'argent de ce gouvernement. Pourtant, à te voir, ça, on voit quelqu'un qui a un peu même du talent. Hein. Moi, je trouve que tu as du talent. Je trouve que tu peux faire quelque chose, mais something is not right. Something is not right. Je trouve que tu peux faire un truc, mais ta vie de paresse là, c'est en toi. Tu ne peux pas travailler. Tu veux la facilité. Tu veux qu'on te paye pour que tu ailles clasher. Tu veux qu'on te paye pour que tu ailles insulter. Tu veux qu'on te paye pour que tu supportes. On t'a payé, tu as supporté Samy Lenoir. On t'a payé pour nous hommes. On t'a payé, on te paye. Tu vois comment les gens te détestent. Pour Martinez Zogo, tu connais tout. Combien de personnes savent ce qui s'est passé? Mais tu es venu supporter le homme, le voilà en prison. Tu es venu supporter Bruno Bidia, le voilà en prison. Tout pour toi est négatif. C'est la fille là qui vient te prendre les mains, sachant que tout ton bilan est négatif comme pour Samuel Eto'o. Et son président. Pourtant, c'est comme ça. Pourtant, ton bilan est négatif. Mais je suis content. Ce que Flo avait fait, elle t'a exposé, elle t'a jeté. Tu vois, est-ce que depuis, elle n'a pas rancœur. Mon frère, va ta rancœur, c'est qui te ressent. Tu peux voyager. Très franchement, donc avec Flo, là, Flo va te mettre, prendre l'avion, aller à Miami, aller à Houston, aller à Los Angeles, aller. Aïe, aïe. Non, toi, tu vas essayer. Flo va te mettre, toi. Tu vas porter quelque chose. Aïe, 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 aïe
tu vas mettre ta chanson, la chanson de ton gars, vous allez jouer ça dans votre chambre. Dans les soirées de Flo, la Flo te tire comme ça là. On vous voit à deux. Tu as vu comment Flo et moi on est allé à la soirée d'Apuchou. Tu as vu comment ça donnait, man. Deux stars. Non, Flo va te mettre. Oh, même Lolo là, tu peux pas. Même Lolo a une classe. Comment Aziz, un jour on vient de sortir les assises, là où l'âme bleue. Comment ça va? Elle a porté la chemise bleue. Il a payé. Il t'a donné combien? 60 000. Pourquoi t'as accepté? Donc ils aiment quelque chose. Prends ta mère à tous ces voyages. Chiga. Aïe. Qu'est-ce qu'elle a trouvé déjà? Qu'elle trouvait déjà les promoteurs? Pourquoi tu profites? Elle avait dormi les 4 heures du matin. Aïe, je voulais vous montrer la photo là, mais je pense. Je vais vous montrer la veste, ouais. La veste. Allez, ouais, la veste là. La veste bleue, allez. Avant, il y avait les patriotes. Et voilà les peureux, la Guinness. Ils ont vu la Guinness jusqu'à. On les attendait. Les trois autres là l'ont centré. Il est parti. L'agent qu'on lui a dit, il a bu les Guinness. Il a donné les Guinness au gars. Maintenant, quand il fallait bagarrer, il s'est retrouvé seul. Max a dit, viens ici là, tu pars où? Il s'est retourné, les autres buveurs de Guinée sont partis, vous rappelez la photo aussi. Max a dit que tu pars où, viens ici là, Mboutman, je ne connais pas 6 ans, il est 6 ans, ça 6 ans que tu veux bagarrer. Les gars, plus le marathon. Récupéré. Il dit qu'il est au côté du RDPC. Il n'est pas avec ceci. Il croit que la police de Genève veut. On l'a bastonné. Il croyait que la police de Genève devait le supporter. On l'a bastonné. Oh, Alain Tchamouma tué le jour là. Il me dit que Bétine, avant on avait quoi? On avait le pantalon d'un mec à Messi. On avait la photo d'un mec à Messi. Oh, vraiment les dieux. Les gars, maintenant. Il dit qu'il bagaille. Un gars qui bagaille à 18h. Tu es parti au Cameroun. Tu as fait les poussins. Ça n'a pas marché. C'est le web série que tu as fait le poussin. Au début, tu as pris 11 000. Tu as insulté les Bamileke. Un Bamileke t'a donné 11 000. Un tribalisme de feu. Mais tu vas dire que tu sors avec les Bamileke, les filles Bamileke.
Tu sais ce que tu sais. Tu sais parce qu'il y a d'autres. Il y a des filles qui ne peuvent même pas. Qu'une bassa même ne peut pas. Une vraie Bamileke, Bafam, Bangante, là. Je ne sais pas là où celle-là sort, mais une vraie Bafam, déjà Coco Emilia. Non. Alors, elle n'a pas, elle n'a pas, elle n'a jamais essayé. Non, ne blague pas avec les filles. Même celle avec qui tu es là. Tu ne connais, on ne sait jamais. Mais ça, j'espère que. Peut-être celle-là, parce que celle-là, tu es entré même dans la maison. Vous vous rappelez la photo là. Il dit que. Un laptop comme ça, mon frère. Non, on va parler d'un JTAP demain. Je ne peux pas parler d'un JTAP aujourd'hui. Les gars, il est 4 heures du matin. Je voulais seulement vous montrer la photo là, dis donc. Oh, ça m'énerve. Je vais sur la page officielle. La Lentiam officielle. Je voulais seulement vous montrer la photo là. J'ai ça quelque part. La photo là, c'est la photo que. Ou bien tu étais aussi. Là-bas, tu faisais la publicité du produit. Ne dis jamais que tu es en train de faire la publicité d'un produit, s'il te plaît. Parce que si tu dis que tu es en train de faire la publicité d'un produit, on voit le produit là sur toi, les gens vont fuir, man. Les gens vont fuir. Si tu as dit que tu fais la publicité d'un produit là, ne te lève pas un jour que tu fais la publicité d'un produit. Ne te lève même pas un jour que tu es en train de faire la publicité d'un produit. D'abord, quand quelqu'un va te voir ta face, ça, il va même pas faire la, te donner un contrat. Il ne peut pas te donner un contrat. Il va dire que non. Avec ta face là, on ne sait pas comment on va faire. Mais c'est bon quand même. C'est aussi bon que un produit peut venir enlever avec la souffrance des gens. L'argent des gens. Tu as pillé du mal. Tu as resté avec. Tu as escroqué. Tu as escroqué. Tu passes ton temps à escroquer. J'ai vu le Shakiro qui est venu mettre, dit que tu es en train d'entrer dans un business de scam pour escroquer les PD du Cameroun et travailler avec Shakiro. Tu prends l'argent. On va dénoncer ça. Tu commences à prendre l'argent aux gens pour que Shakiro travaille pour toi. Et il ou elle a dit ça ici. Donc tu passes ton temps à escroquer. Tu vas escroquer les. Donc tu causes avec les Ndapsou là parce que tu veux les utiliser. Et Tangala même t'a insulté. Elle t'a clashé une fois ici que tu es procéné. Mais elle est pas un procéné, elle met. Qui sait ce que vous travaillez? Qui sait si c'est toi qui la mets sur OnlyFans? Qui sait si c'est toi qui tu l'as fait travailler même? Parce que il y a des gens, il y a des couples, c'est normal. Il y a des couples comme ça, tu mets en garde. Les Américains font ça ici. Les Américains font ça ici. Tu vas en boîte avec Tanga, elle travaille, tu la positionnes. Oui. Les Américains font ça, c'est normal. Elle même est un chef professionnel, elle. Ça n'étonne pas, c'est Hollywood. Donc moi je n'ai jamais su. Moi pour moi là, votre jeu là, pour moi c'est le schéma. Ça tu es le schéma depuis 11 pour moi. Hein. Parce que quand vous montrez que vous aimez, embrassez-vous même devant les gens, même les petits gars de Bob Machin là qui est au pays là, ils s'embrassent sur la télé ou sur la télé. Embrassez-vous, on voit. Embrassez-vous. Faites des choses, on voit. Donc, c'est lui, il a insulté. Elle a insulté le gars Procenet. Il y a ça ici. Elle a insulté. Mais elle, c'est elle qui prend le gars et met dans la maison. On ne sait pas ce qui se passe. Donc, les gars, c'était mon. C'est, non, je veux dire, c'est Hollywood. Hollywood, c'est la vie de Hollywood. Ici, il y a les Américains qui utilisent leurs femmes. Ils amènent en boîte. Tu arrives en boîte. Le gars est assis là. Le gars envoie Sanga, il veut négocier même pour Sanga. Je pars avec Sanga. Sanga. Ou alors vous allez même faire 3, un truc comme ça. Ça existe. Je voudrais dire que c'est Hollywood. Pour moi, je n'ai jamais pris votre truc là en considération. Pour moi, ça, c'est comme un schéma. Elle veut être star, elle t'utilise. Pourtant, tu es un blogueur négatif. Tu n'es pas l'obligé. Même chose, et toi, Kribiel est venue comme ça, elle venait chanter. Je me rappelle le début, elle venait chanter gospel. Une musique qui n'a même pas de tête. Elle chantait gospel.
Donc tu ne peux pas venir commencer à dire que tu vas insulter, tu vas manquer de respect aux femmes. Non. Tu ne peux pas. Il y a les femmes comme Nathalie Babalé. C'est ma soeur du village, Bassamba. Lolo Fondia, c'est ma soeur du village, Bassamba, Banganté. Flore, c'est mon ami depuis avant même Facebook. Donc, c'est les gens que quand tu fais ces migmaps là, ne les touche pas. Ne les insulte pas à un niveau. Jouez votre game. Mais quand ça arrive à un niveau là, non. Il faut montrer qu'on a aussi des frères. Quand tu montres que tu supportes tes gens. Faut pas qu'elles soient comme s'il n'y a personne. Non. Non. Si je me taisais, ça ne pouvait pas. On ne pouvait pas aller. Oui, que me coupe dans mon dia. Je peux pas le dire. Je peux pas le dire. Donc, on te met. Rien. Celle-là, je ne sais pas comment elle fait, mais il n'y a rien. Vous avez mangé des trucs dans la boîte. Elle ne peut même pas préparer. Vous mangez. Eh, mais va nous dire. Vous mangez, on te donne les trucs dans la boîte. Parce que vous êtes acheté les trucs, boîtes de conserve. Pour aller où? Putain, c'est qu'il y a les enfants dans la maison. Vous ne préparez pas. Hein? C'est quoi ça? C'est quelle vie ça? Hein? C'est quoi ça? C'est quelle vie ça? Tu es venu ici, tu as insulté les Ivoiriens. Toujours pour la visibilité. Tu as insulté les Ivoiriens. Oh, pas zéro can. Toi-même, pour venir même là-bas, tu ne pouvais pas. Toi-même, pour venir à la canne, tu ne pouvais pas. L'argent vient d'où? Après, vous allez dire que vous prenez... J'ai fait 2 000 $ sur... 2 000 $ sur Facebook. Tu fais que 2 000 $. 2 000 $, le billet d'avion coûte combien? Paris, Abidjan. Il fait 2 000 $. Et tu payes, tu arrives à Abidjan, tu fais encore. Tu construis, c'est ton boulot. Vous vous trompez même. Vous parlez ça à qui? On connaît ça. 100 étoiles, c'est 1. 100 étoiles, c'est 1. Ce n'est même pas 1. C'est 1 $. Mais 1 $, 100 étoiles. C'est 1 $. On fait 2 000, 5 000 $. On fait 5 000. Tu insultes les Ivoiriens. Ça. C'est parce que les Ivoiriens ne connaissent personne de toi. Tu n'as même pas un frère ni une soeur en France. Tu n'as personne. On ne te connaît pas où tu viens. On ne connaît pas où tu viens. Tu n'as pas les frères. Comme j'ai ma petite soeur, j'ai mes amis. Tu n'as personne. Mais tu passes ton temps à insulter avec les femmes. Tu passes ton temps à insulter. Il y a deux autres gars là où c'est Décom et puis il y a Ducamer. Tu passes ton temps à les insulter juste pour avoir la visibilité. Tu n'as rien. C'est ça que tu as fait contenu. C'est ça que tu appelles contenu. Tu passes ton temps à les insulter comme s'ils ne valent rien. Toi, tu vaux quoi? Oh, moi, voici à Paris. Où sont les filles? Où sont les filles, les parisiennes là? Où sont les parisiennes qui disent qu'elles m'aiment là? Moi, voici à Paris. Personne. Elles t'ont dit qu'elles t'aiment. Zéro image. Elle t'a dit qu'elle est rigolo. Elle se moque de toi. Tu dis qu'elle t'aime. Elles sont là. Pourquoi elles ne sont pas venues? Moi, là, si je descends à Paris, j'écris que où sont les gars qui m'aiment là? Tu vas voir comme ça. Je suis sûr, sans blague. Mais toi, parce que je ne dis pas. Parce que déjà, quand tu dis déjà que tu as les filles qui t'aiment, la Camerounaise, c'est plaisantin. La Camerounaise ne peut même pas. Parce que le Camerounais n'aime pas quand tu veux te faire. Tu commences à faire le pizza, tu achètes seulement le pizza. Tu commences à délivrer le pizza. Maintenant, tu as trouvé le travail, tu t'assois 4 heures, tu commences à insulter chaque femme. Et tu appelles ça contenu. Tu peux maintenant avoir un. Toi et ta compagne. Un web série. Tu n'as rien. Tu insultes la baronne. Quelqu'un qui a perdu son mari. Tu viens, tu insultes. Que veuvage. Mon frère.
Tu dépasses, tu es qui même, non, mon frère? Tu es même qui pour insulter les femmes? Tu les insultes. Veuvage, c'est ton veuvage? C'est ton problème? Au nom de la monétisation, tu dépasses un niveau comme ça, mon frère. Moi, son petit frère, je t'arrête, on te tape en route. C'est ton problème? La femme de tu sais ce qu'elle a vécu? Tu sais ce qu'on appelle le stress? Tu sais ce qu'on appelle le stress? La tension? Tu sais si partir en Côte d'Ivoire était pour elle une soutenance ou alors un relief? Tu sais si c'est ça? Tu sais qu'elle ne devait pas aller. Elle aussi ne t'a pas loupé. Elle aussi ne t'a pas loupé, mon gars. Tu sais le camion. Ça, c'est les femmes faciles, là. Les gens comme les chigas que tu as là. Oui, j'ai les. Mais quand tu veux toucher les femmes de classe là, Destiny, Flore, Lolo, Nathalie Babal, les femmes de classe là, tente pas. Ne bats pas là-bas. Elles vont te mettre à côté, man. Elles vont te mettre à ton niveau. Elles vont te mettre à ton niveau. Ne bats pas là-bas. Dans la base, ça t'a dépassé. Tu pars maintenant, les combattants t'ont dépassé. Les patriotes t'ont dépassé. Tu as cherché là où il fallait partir. Ta cible dans le Congo, ça. Tu étais content. Content de faire ça. Content de gâter la vie des Camerounais. Content d'insulter les femmes des Camerounais. Content d'entrer dans la famille des gens. Un homme, tu insultes. Tu viens dire que le père de Lolo est le père de Brumbia et ceci. Tu es dans leur famille. On a dit. Tu gâtes et tu appelles ça contenu. Tu appelles ça contenu, on a dit. C'est ce qu'on appelle le blog. C'est le flop que tu fais. Ce n'est pas le blog. Le blog, c'est les blogs. Tu fais ça, tu coupes, tu arrêtes. Ça, on appelle blog. Vous, tout là, vous ne pouvez pas ce qu'on appelle. Vous n'êtes pas des blogueurs. Elles connaissent déjà ta mission. Je te dis ça aujourd'hui. Donc tu vas t'en faire. Tu ne vas pas arriver là où. Parce qu'elles connaissent ta mission. Elles connaissent ce que tu es en train d'envisager. Ou bien ce que vous êtes en train d'envisager. Elles connaissent ce que vous êtes en train de préparer. Ou bien ce que tu es en train de préparer. Elles s'attendent de ça. Je te dis qu'à Paris, là, il y a les gens que si tu vois, tu regardes derrière. À Paris, là, il y a les gens que tu les énerves. Non seulement même pas pour le combat, là. Il y a les combattants. Tu les énerves quand tu parles de l'argent que le pays, là, souffre. Le gens que le Camerounais souffre, mais tu viens supporter ça. Il y a les Camerounais que tu les énerves. Il y a les Bamileke que tu les énerves. Que si te voient, man. Il y a les Féman que tu les énerves. Les filles à faire de Pâques de Londres. Ne mets pas le piège en Côte d'Ivoire, tu es fini. Et alors les patriotes, tu ne peux même pas mettre le pied au Cameroun. Tu ne peux pas. C'est fini. Ils ont mal tabé. Pour toi, c'est fini. Pour toi, c'est fini comme ça, au Cameroun. Et là. Tu ne peux plus sortir. Toi, il faut qu'il aille suivre, il faut qu'il aille se faire soigner. Parce que ça, ce n'est pas... Moi, je trouve que ce n'est pas normal. Hein. Ce n'est pas normal d'avoir une peau comme ça, là. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Regardez ça. Ce n'est pas normal. Et il n'a pas. Et ça lui dit rien. Ça lui dit rien. Je ne sais pas. Ça, c'est. Parfois, c'est les symptômes de. Il y a les symptômes, parfois quand c'est des trucs comme ça sur les pieds même, c'est des maladies sexuellement transmissibles, parfois sur le front ou bien sur les pieds, sur la peau comme ça, bon, je sais pas, sur les autres. Bon, les gars, merci. Merci pour tout et on se voit, je vais dormir. Et, merci.